Hop là, et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue au ce 7ème épisode de Racketé par l'Arc, donc l'émission hebdomadaire hein, sur Drafting Lands, hein, tous les lundis soirs. Bon, du coup, sauf que là on n'est pas lundi, hein, vu que j'avais une angine, donc je ne pouvais plus parler. Voilà, donc là ça commence à aller mieux, donc c'est cool. Salut les Crims, salut Christophe, salut Arrest, il y a mon image sur la news. Alors voilà, donc là ce soir, donc il y a découverte. Alors le but de ce soir, donc c'est découvrir les nouveautés de la 0.12. Alors globalement, qu'est-ce qu'il y a de vraiment nouveau dans la 0.12? Il y a de nouveaux ennemis et de nouveaux comportements de boulettes en fait. Vous allez voir, il y a des boulettes maintenant qui explosent en AoE, qui font d'autres trucs, voilà. Donc c'est ça les trucs qu'on va vraiment découvrir ce soir. Et pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais entamer un nouveau cycle avec un maraudeur ce coup-ci pour voir un peu comment on peut faire du maraudeur à haut niveau. Il y a eu pas mal aussi de petits nerfs, par exemple les mines elles font un peu moins mal, enfin en fait elles font moins mal avec la distance. Donc plus vous êtes loin de la mine, moins vous prenez des dégâts, donc c'est pas mal pour pas se quicher directement avec ses propres mines. Voilà, il y a différents trucs comme ça pour équilibrer. Je pense que je parlais peut-être un petit peu moins que d'habitude, parce que j'ai encore bien la voix fracassée, mais voilà, mais j'avais envie de le faire parce que en fait ça me tenait à cœur hein, de garder ma petite émission quotidienne, enfin pas quotidienne, hebdomadaire, pardon. Et voilà, mais sinon ouais non ça va mieux, c'est cool. Et du coup demain je pense que je ferai ce qui était prévu. Red Corner je crois que ça s'appelle. Enfin de ce que j'ai vu ça ressemble un peu à du Zelda Wind Waker, faut la voir quoi. Tes chances de voir un nouveau projectile, essaye de taper des mid-boss, d'accord. Ah oui d'ailleurs ça c'est une des différences aussi. Jusqu'à présent vous avez déjà tous vu un peu pas vraiment l'arnaque mais la.. Bon, si l'arnaque, qui consistait à aller taper à chaque fois dans le palier au-dessus. Vous savez, tous les stages qui commençaient par un 1 en fait, c'était les stages simples, pendant qu'ils finissaient par un 1, pardon, c'était les stages simples sans mid-boss. Maintenant, c'est plus vrai. À partir du 21, en fait, chaque stage a au moins un mid-boss. Donc vous pouvez plus essayer de gratter discretos des trucs comme ça, quoi. Donc ça sera plus dur de se stuffer dans un premier temps. Parce qu'on pourra pas les taper de la 31, de la 41, de la 51 pour essayer à chaque fois de looter le stuff du palier supérieur alors qu'on est encore un peu léger dans son propre palier quoi. Voilà. Par contre, il y a eu un rééquilibrage au niveau des stats demandés. Donc normalement. Ouais, je vais le vendre dessus, on s'en fout. Spoon, c'est un intercepteur, ouais bref, peu importe, de toute façon moi ce que je voulais acheter c'était un maraudeur, donc voilà, donc là le but c'est d'aller essayer de débloquer le maraudeur élite, sachant que pour débloquer le maraudeur élite il faut terminer au moins une mission 40 quoi, donc là par exemple c'est pareil, on peut plus faire l'arnaque d'aller faire de la 41 en se disant bah vu qu'il n'y a pas de mid-boss je vais l'avoir quoi, là ça va être un peu plus compliqué quoi. Hop, on va appeler ça quoi? On va appeler ça second cycle. Allez, hop. Tac, back. Donc la technique, hein, je la rappelle, c'est d'aller directement voir chez le marchand. Parce que quand vous êtes level 1, en fait, les marchands, les objets level 1 sont gratuits. Donc vous avez tout intérêt à aller faire un tour. C'est des fois vous avez des bons trucs pour pas cher du coup, quoi. Flamblade ça me va, je vais prendre la conflag habituelle. Là je joue avec ma. Ouais si je vais mettre ça pour l'instant on verra bien. Là je joue avec mes stats habituelles, je vais pas m'embêter. Ouais, faut un King Streak, puis voilà. Hop, un petit coup au market. Donc voilà, hein. Donc bon voilà il est moins bien. Il fait plus 4 structures, bah si il fait plus 10 armor donc si il est mieux. Voilà donc ça. Donc vous voyez, hein, vous pouvez avoir de la light cell jaune par exemple, hein, donc c'est quand même plutôt cool quoi. Au niveau du thruster, j'ai quoi? Spear skill, je m'en fous un peu, ring skill aussi. Prends une sphère dans un premier temps, on verra bien. Il y a eu aussi au niveau du rééquilibrage pour maintenant vous savez pour les objets, bien souvent les objets haut niveau ils avaient toujours une contrepartie assez violente quoi. A priori cette contrepartie elle était pas mal diminuée. Yo Brodaf, comment ça?
Et sinon, du coup, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait super longtemps que j'avais pas eu d'angine. Hein. Je pense depuis que j'étais petit, j'en ai pas eu. Et ben, ça fait super mal. En plus, j'ai eu la mauvaise idée de l'avoir depuis dimanche soir, mais vu que lundi c'était férié, ben, j'ai un peu pleuré, quoi. J'ai un peu pleuré ben, de la nuit de dimanche à lundi, surtout. Puis même lundi à mardi aussi, quand même. Donc là aussi, au début, vous avez 3 points gratos, hein, donc n'hésitez pas à les mettre. Je sais pas trop de pas trop taper dans mon capital que j'ai d'avance. Ouais, c'est de pas gruger. Bah écoute, ça va pas mal, ouais. Ça va bien mieux. Ça paraît tout con, mais quand vous pouvez même plus déglutir, et bah, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Et le pire, ouais, vraiment, c'est de dormir. Dès que vous vous réveillez, bah, c'est mort, en fait. Vous pouvez plus vous rendormir, quoi. Killing streak. Et du coup, j'étais dégoûté parce que lundi c'était férié, je bossais pas. J'avais prévu plein de trucs trop cool, bah j'ai rien fait. Je suis resté à mourir à la maison. J'étais dégoûté. En plus, il faisait super beau. Enfin, dégoûté. Donc là, je vais faire du Drifting Lands un petit peu comme d'hab. Et après ça, je ferai un tour rapide sur Marvel Heroes. Parce qu'en fait, il y a un event en ce moment sur Marvel Heroes. Bah, lié au film. Mais je sais plus comment s'appelle le film. Civil War. En fait, lié à Civil War, il y a actuellement un event qui a l'air plutôt sympa. J'ai commencé tout à l'heure. Et du coup, je vais le terminer ce soir. Donc, enfin, c'est un event sur plusieurs jours, mais en fait, pour ceux qui connaissent, il y a aussi des réputes à farmer. Vous avez des quêtes quotidiennes, des quêtes hebdomadaires. Et en fait, j'ai quasiment fini la hebdomadaire. Donc voilà, vous pouvez la terminer. Après les nouvelles vagues, hein, je sais pas si on peut les voir à bas niveau, je suis pas sûr. C'est pour ça qu'on va essayer de monter rapidement de difficulté pour voir tout ça. Justement, une vidéo bestiaux, Deckard n'est pas mort, il a juste changé de carrière. C'est créé par Blizzard, ça le pire. Ouais, Civil War, ouais, tout à fait. Deckard qui? Deckard Kane? Il est immortaliste, comment ça? Carken Reps, mon dieu. Ça a commencé à un level 10 plus. Ok. Bon, bah, logique. Bah, je te disais, ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. Du coup, vu que ça va mieux, bah, j'en profite, quoi. Je la connaissais pas, ça. Non, je vais passer par le hangar. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y pense, si vous n'avez pas vu mon tweet, il y aura. Enfin, c'est si vous allez. Si vous allez au Stunfest ce week-end, il y aura moyen de choper des clés bêta pour. Des clés bêta pour Drifting Lands. Alors, je sais pas trop sous quelle forme elles seront filées, ce sera des petits concours ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous allez au Stunfest, il y aurait moyen d'escroquer une clé.
Ah, moi j'y vais pas, hein, mais. D'ailleurs, Christophe, tu sais peut-être comment ça va se passer, toi, pour choper une clé au Stunfest? Là, par contre, pour ceux qui vont cette année, le jeu il sera pas. Il y aura pas de stand. Hein, bien trop loin le stand, ouais, c'est pareil, moi ça me fait loin aussi, quoi. Enfin, ça fait un gros budget pour juste un week-end, quoi. C'est ça qui m'embête un peu, quoi. D'ailleurs, tu vas toi au stand ou pas, Kassa? Ah, ça pour 2 jours, ça fait un peu mal quand même, quoi. Bah, le truc, c'est qu'en plus, voilà, ouais, j'ai mon PC qui commence à bien vieillir. Et je me dis que finalement, sur le Stunfest, c'est un peu une carte graphique, quoi. Donc, c'est un peu galère, quoi. Ouais, le rap, il était rigolo. Ça nous fait penser à aller chercher mes billes. Pas de soucis. Oh, plus 446, c'est quoi? Triple Gatling, quand même, j'aime pas trop ça. Dark Souls 2D, oui, ouais, le Salt and Sanctuary, ouais, j'ai vu ça, ouais. Il est sorti hier, je crois, ou. Oui, quoi que j'aurais pu l'échanger, ça aurait été plus propre quand même. Ça a été vite pour le sortir, ouais, clairement, entre le moment où ils ont dit tiens, on va peut-être le faire, le moment où il s'est sorti, il s'est pas passé longtemps, ouais. Très bien ça. Bien. Wave Gatling à bas level, c'est pas mal. Hein. Et tac. Ah, oh, quoique le trident sera peut-être été pas mal non plus. Il était où le trident? 247. Ouais, non, on va rester sur la Wave Gatling. Moins 18, mais qui fait du life. Et hop, tac. Ah merde, mais il y en a qu'un, je suis con. Hop, très bien. Alors, du coup, il me faut quoi? Alors, attendez, on va les équiper au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Hop, hop. Tac. La Wave Gatling, c'est bon. Ok. J'ai l'impression que le trident est plus OP, no, avec un. Ouais, le Focus Fire il est vraiment violent, ouais, clairement. Je sais pas ce que donne le portage de Salt and Sanctuary. Ouais, je sais pas du tout. J'ai vu un mec qui joue aujourd'hui, donc je pense qu'il devait jouer sur PC. Ça avait l'air plutôt propre. J'y vais, je reviens après. Ok, à tout à l'heure, Brosaf. Et ouais, en fait, Wave Gatling, c'est ce que Spoons utilise tout le temps. C'est son arme préférée, quoi. Ouais, Spoons, il adore la Wave Gatling, c'est son arme. Ah ouais, tu l'as pris à Salt and Sanctuary, Arrest. Je pense que je le prendrai peut-être aussi, faut que je vois si j'ai le temps d'y jouer en fait. C'est là en ce moment, j'ai plein de jeux auxquels j'ai envie de jouer. J'ai même recommencé à rejouer un petit peu à Hero Siege aussi, je voulais tester toutes les mises à jour qu'il y a eu. Parce que Hero Siege il a énormément évolué hein. Par rapport à la première version, c'est assez fou ce qu'ils ont fait quoi. Ils ont développé plein de trucs en plus. Et des trucs intéressants en plus, donc
Il y a Don't Starve Together aussi, j'aimerais bien en faire. Bah, surtout qu'en plus là, Diablo 3, ça commence un peu à m'ennuyer. En fait, le problème, c'est que là, pour Diablo 3, pour que j'aille plus haut en difficulté, il faut que je loot la même arme que j'ai déjà, mais en ancien, quoi. Sauf que j'essaie de la craft, mais pour l'instant, ça veut pas. Et vraiment, tant que je l'ai pas, je peux rien faire. Je suis bloqué en fait en termes de DPS, quoi. Du coup, actuellement, je peux faire de la GR 62 sans problème. Hein. Mais je vois bien qu'au niveau DPS, ça commence à être mauvais, quoi. Je mets trop de temps à dépop les boss, c'est galère, quoi. Petit joueur FR. Ah, mais il est fou. Apparemment, non, sur Steam français, il n'est pas indiqué en fait, d'accord. Aïe. Oui, je pense pas qu'il s'est refait la trad pour la version PC. Hein. C'est tellement chiant celui-là. Ce boss-là, je le déteste. Celui-là, c'est celui qui arrête pas de vous foncer dedans tout le temps. Il est super relou. Mais après, ça se trouve, ils l'ont peut-être pas mis, effectivement, s'il est vraiment catastrophique. Peut-être jouer, non, on n'a pas de trad, et puis voilà quoi. Bah, surtout s'ils sont un peu fait sécher là-dessus sur les tests. Bah, les petits types qui se sont même pas de servir. C'est vrai que les trades FR c'est pareil. Enfin, ça dépend, des fois je joue avec, mais. Ah, c'est ça le problème quand tu utilises Google Trad, c'est que ça fait n'importe quoi. C'est pour Onyx Quest. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été venu à traduire. À traduire tout le Mojo Rampage en fait. En fait, Onyx Quest c'était aussi fait par Over the Top Game et ils avaient fait une traduction à Google Trad et c'était infâme quoi, tu comprends rien. Et pourtant, c'est un jeu de plateforme hein, donc il n'y a pas grand chose à traduire, mais le peu qui était traduit c'était incompréhensible quoi. Je sais plus comment était traduit l'action de planer. Du coup, c'était Glider, je crois. Enfin, tout c'était Glide, je crois, en anglais. Et en français, je sais plus ce que ça donne, mais c'était un truc incompréhensible, quoi. T'as les grogs, c'est bon, mais ça donne un petit peu chaud quand même. On va continuer comme ça. Bah, on va commencer à taper les grades 2 là, on y va, on continue. Allez, tac, une 13. Ah, mais non, ça c'est vraiment le pétard, je les aime. Hop, pardon. C'est toi qui es un petit peu chaud. Oh, nous. Ah, regardez! D'accord, donc vous avez vu en fait là, ça fait un projectile, enfin il s'est divisé en trois, et qui ont fait une AOE chacun. Cool. Ah, je voulais le péter, je suis sûr que ceux-là ils auraient fait pareil, c'est pas grave.
Donc là, c'était le nouveau type de projectile là qu'on a vu. Enfin, un des nouveaux types, parce que je crois qu'il y en a plusieurs différents. D'ailleurs, si vous n'avez pas suivi l'affaire Lim, qui était en jeu sur Kickstarter, bah, si vous n'avez pas suivi l'affaire, tant mieux pour vous. Et si jamais vous avez backé le jeu, n'hésitez pas à aller enlever vos dons parce que, a priori, le mec il le mérite pas du tout. En gros, c'est du jeu indépendant français, donc jusque-là tout va bien. Le projet il avait l'air plutôt sympathique, sauf qu'en fait, c'est fait que par des stagiaires non rémunérés. Stagiaires non rémunérés qui sont évidemment pas cités dans la campagne de Kickstarter. Hein, sans, Belle remarque, j'ai dit qu'ils avaient enlevé les dons, mais de toute façon, il était annulé le projet, donc ça ne changera rien. Ah, voilà, ouais. Exact, l'écrit là. Donc, a priori, lui il était vachement nerfé. Et effectivement, il a l'air d'envoyer vachement moins de boulettes qu'avant. J'ai vu le message pour dire que le projet est annulé et sans gêne le mec. Ah non, mais c'est ça le plus honteux quoi. Enfin, en même temps, il pouvait rien faire d'autre quoi. Mais le message pour expliquer que la campagne elle est annulée, il est juste honteux quoi. Limite s'il dit pas, ouais, bon bah à cause des gens comme ça, tant pis, le projet aura pas lieu. Attends, on va tout remettre dans l'ordre là. Que les gens comme ça, c'est justement les mecs qui sont les seuls qui ont bossé sur le projet quoi. Parce que le pire, c'est que le gars en question bossait même pas quoi. Il avait un boulot à côté, donc il bossait même pas la moitié du temps. Enfin, c'est la misère quoi. Mais c'est vraiment bien qu'ils aient. Qu'ils aient bougé et qu'ils aient dénoncé cette pratique quoi. Quoi, non? Oh, merde. Bah je pense que là je pense que là ils peuvent quoi. Enfin déjà à la base je comprends pas, enfin c'est ce qu'il disait, de toute façon tu peux pas faire un stage non rémunéré de 6 mois quoi à partir de là déjà Mais le mec il risque quand même de manger parce que du coup a priori il a fait défaut, des trucs comme ça, des fausses déclarations, des machins. Et bien souvent quand tu mens pour les impôts, bah, tu te fais vite défoncer quand même. Autant pour tout ce qui est prud'homme et trucs comme ça, et tu peux peut-être éventuellement t'en sortir, mais quand tu mens aux impôts, ça marche vachement moins bien quand même. C'est pas trop de jeux rigolos quoi. Mais bon, bah après voilà, j'ai pas non plus gratté spécialement hein, parce que bon, ça me concernait pas vraiment, mais c'est juste cool que ça, voilà, que ça ait bougé et que t'es pas un mec qui récupérait de la thune sur un truc sur lequel il a même pas bossé quoi. C'est surtout ça le plus honteux quoi, c'est que le seul mec qui a récupéré les thunes, c'est le mec qui a peut-être quasiment le moins bossé sur le projet quoi. Et ça, pour le coup, ça aurait été vraiment honteux, quoi.
Si qu'on filme, ça n'a pas les stats pour équiper les objets. Pas encore, non, ça va, t'es cool. En plus, j'ai vu, normalement, ça a été nerfé. C'est pas fait marqué dans le patch note qu'il m'a filé. Dans le patch note, t'as marqué que. Ça serait plus facile d'équiper les objets, non? Un mec qui bosse quasiment jamais sur le projet et qui ramasse la thune. Dans nombreux cas, c'est l'histoire du patron. Je me reconnais tout à fait en ces quelques mots. J'ai marqué ça, je sais pas encore à quel point la magie des maths va fonctionner en vrai, d'accord. Bah, le problème, c'est que là, actuellement, j'ai genre 78 000 crédits ou un truc comme ça en stock, donc. Donc je t'avoue que je suis pas trop embêté par les stats. Mais... Puis c'était surtout au level le problème des stats quoi. À bas level c'était pas. T'avais toujours à voir ce que tu voulais quoi. Alors on va essayer de les péter là les anneaux là pour voir les nouvelles boulettes. Ok donc là c'est encore les boulettes qui se divisent et boum qui font des AOE. Ok. Alors c'est quoi celle-là? Wow. Ok. Et les boulettes là on peut les renvoyer ou pas? Ah on peut les renvoyer avec le... Ah j'ai pris un peu cher quand même. Mais crève! Oh j'ai plus assez d'énergie, je suis dégoûté. Cette semaine, le point histoire est justifiable. Non, non, toujours pas. Il y a pas, c'est pas encore implémenté. Ok, mais c'est sur le projet de leur boîte, c'est vraiment pas ce point non plus. Bon, en l'occurrence, pour le cas de l'usine à stagiaire, c'est pas la même. Oui, voilà. C'est un grave problème d'embauche, traitement de travail qui est loin de se contenir. Oui, non, mais tout à fait, c'est pas. Mais là, d'après l'histoire, le mec, il était pion dans un lycée, enfin... Bien sûr, dans un stage, il est pas rémunéré par l'ARC, c'est vrai. Ça fait déjà 7 semaines que je bosse pour l'ARC et, tu vois, toujours pas rémunéré. Le minigame, je crois que c'était rigolo à utiliser. Ouais, non, c'est du magnétique. Hein. Boum. Non, le point d'histoire, on pourra le faire une fois que Calan aura fini d'écrire. Je parie qu'il a signé un papier qui disait qu'il était rémunéré par l'arc. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble que si. Hein. Il me semble qu'ils ont fait défaut pour les déclarer aux impôts, justement. Salaud. D'accord, j'avais même pas vu que j'avais un truc qui pouvait péter en cas de retrait, tout va bien. Il y a deux pilotes stagiaires qui se demandent s'il fallait pas faire un truc pour cesser l'embrouille. On est en train de s'organiser là, mais chut, faut pas le dire. Ah, il y a un petit trident qui va bien.
On fait un petit peu de 16, on va augmenter tranquillement. Ouais, ça fait quoi les bleus? D'accord. Il y a quoi? Il y a trois types de nouvelles boulettes en fait. Il y a vert, rouge et bleu. Ce qui est génial avec les siphons chantilly, c'est que tu peux t'enfiler une barquette de fraises et sa crème avec une facilité concertante, c'est super dangereux en fait. La true forme des bleus, d'accord. Ouais, y a toujours pas d'antimatière, mais c'est pas grave ça. Je pense qu'on fera, on fera avec, hein. C'est pas un souci. La TA fixe résiste antimatière, mais des objets vu qu'il m'est. D'accord, tu l'as retiré, ok. Très bonne idée en effet. Être dégoûté de l'avoir chopé, hein, t'es sûr. Hein. Ouais, pour les fleuves qui ont été retirés, qui ont été bien nerfés. Ouais, est-ce que j'ai vu ça. Et franchement, je pense que c'est vraiment cool parce que honnêtement, il n'y avait rien de plus frustrant que de choper une bonne pièce que tu pouvais pas équiper parce que c'était vraiment trop dangereux, quoi. Ouais, bah oui, je comprends bien que. Combien prend bien que c'est actif que pour les futurs loot quoi. Et tu barres pas, on est en train de s'amuser ensemble, voilà, merci. Ce serait des objets legacy. Alors pour le stream, hein, comme j'ai dit, hein, demain soir, Cornerstone, hein, comme c'était prévu. Alors j'espère que ce sera bien, honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a l'air cool, mais bon. On va mettre ça, par contre, je vais me mettre de côté celui-là. Et après, du coup, ce week-end, bah, je stream pas, c'est mes parents à la maison, donc voilà. Non, bah ça, non. Et la semaine prochaine, bah, du coup, lundi, Drifting Lands. Et après, à partir de mardi, je sais pas trop. J'essaie de recaler en Lava Pools. Je sais pas trop quand, on verra. Et finalement, il y a que ça qu'on a raté. Ah, si, Ori and the Blind Forest. Finalement, j'ai pas pu le faire dimanche soir. Donc, j'essaie de le replacer, je sais pas quand aussi. Et un truc que j'aimerais bien faire, c'est peut-être du. Peut-être du Don't Starve Together. Donc, à voir, quoi. Ou peut-être du Marvel Heroes pour profiter encore de l'event Civil War, je sais pas encore.
Et sinon, je crois que j'ai d'autres jeux aussi que je voulais jouer. En fait, j'avais pas mal de jeux à présenter là, ces derniers temps. Mais Don't Starve Together, ça me botte très bien là. Qui c'est qui a le jeu parmi vous? Qui serait motivé pour jouer quelques soirées Peut-être si jamais je fais de la merde, je pourrais toujours dire que c'est le grog qui m'a saché quoi. Don't Starve Together. Alors pour l'instant, les boulettes comme ça, elles ont pas l'air trop méchantes, mais j'imagine que quand on a beaucoup. Non, mais c'est pour ça, toi, y jouer en multi, ça peut être vachement plus rigolo. Je sais pas jusqu'à combien on peut jouer en multi par contre. Je pense que Brozef il doit l'avoir et il serait motivé. Et vu qu'il est un peu tout tristouné, que je fasse pas Apothéon, je pense qu'il serait motivé pour jouer aussi. Un coup avec, donc je l'ai, mais je serai le boulet du groupe. Ah, c'est pas grave, en même temps, Don't Starve, ça va faire peut-être 1 an et demi que j'ai pas joué donc. En fait, j'ai beaucoup joué à la version de base de Don't Starve. J'ai les DLC, mais j'ai presque pas joué aux DLC en fait. Je t'avoue que le peu que je connaissais, je me suis empressé d'oublier depuis, donc. Putain, j'ai pas réussi à le quiche avant qu'il se barre. Ah, dégoûté. Oula. Ah, ils ont remis. Ça y est, vous avez remis les drones qui tirent des lasers? Comme ça, c'est super longtemps que je les avais pas vus, ceux-là. Ah putain, et puis je me rebloque celui que j'aime pas, quoi. Celui-là, je le déteste parce qu'il vient toujours te coller au miche et c'est super désagréable, quoi. Et encore plus avec des kamikazes. Oh là 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 là, il a fait mon retrait dedans. Alors ça c'est le classique, à le moment où il dit tiens, et si j'allais quicher le joueur? Bon, il est presque mort. Une soirée a tellement chiante, faut un sac à dos et le top c'est le coffre qui te suit, ouais le Chester. Hein. Tiens, venez voir, il y a des abeilles.
C'était une combien que j'ai faite là, je sais même plus. Vu qu'il y a joué, il y a des Mystery Box encore à choper, non, Daily Reward. Alors je sais pas, il y a plein de trucs à choper là avec les avec Civil War. J'ai pas vu de Mystery Box en tout cas. Mais il y a plein de trucs à looter en fait, un peu tous les jours. Ouais, il faut déjà que tu te connectes pour cher ton camp. Sachant que si tu veux les gros bonus qui tâchent, il faut que tu prennes Captain America, parce qu'on est vachement... on est bien plus en avance en fait. Du coup, si tu prends Captain America, t'es sûr d'avoir le bonus tous les jours du camp qui a gagné, quoi. D'ailleurs, la semaine prochaine, on pourra changer de camp et j'imagine que du coup, tous les gros joueurs qui auront validé tous les hauts faits Captain America passeront sur Iron Man. Donc, ça sera l'occasion la semaine prochaine de passer sur Iron Man. Ouais. Et en fait, après, quand tu joues, t'as plein de trucs à faire, des défis à faire, ce qui te font marquer des points pour ta faction et t'as un petit peu comme t'sais, comme avec le système de raid, en fait, t'as des points de faction à récupérer. Putain, j'arrive pas à les quicher avant qu'ils se barrent, je suis dégoûté. Et j'imagine que plus t'es haut, plus t'as de récompenses ou plus tu peux échanger tes trucs contre du loot intéressant. Aïe. Enfin, je vais pas utiliser mon bouclier parce que voilà, là, je sais bien qu'il allait avoir des les boss. Bon, par contre, effectivement, ils ont été bien nerfés les pépères. Je pense que les boss ils vont aller chouiner sur les forums comme quoi ils ont été trop nerfés quoi. Oui, je comprends pas. Les pilotes se sont plaints, maintenant on fait zéro dégâts. On a des sables de boulettes, c'est rendu pourri. Et sinon, j'ai pas rêvé, ils existaient plus les petits qui lancent des lasers là avant. Ah bah revoilà mon copain, super. Et sinon, le jeu il se rappelle qu'il y en a 3 des boss et qu'il est pas obligé de mettre toujours le même. J'ai rêvé, on les a jamais virés, d'accord. En tout cas, j'ai vu vachement plus souvent les autres. Hein. Oh là là, on se calme.
Comme les boss, on n'a pas mis d'autres juste pour que tu rushes. Merci, c'est sympa. Celui-là, c'est vraiment le plus chiant, hein, puis il est très très loin quand même. Et c'est barré? Non. Oh, quel enfoiré! Il me restait juste une séquence pour le tuer quand même. Dégoûté. À tel point que j'avais mis les doigts sur mes lunettes. Double dégoûté. Ah, attends, pour Mystery Box, at the end of each week, the sad and D'accord. Ah oui, c'est ça en fait. Oui, là, il n'y a que le camp qui va gagner. D'accord. Donc là, honnêtement, vu que. Ouais. Et vu que Captain America, on est vachement en avance, il n'y aurait que Captain America. Mais par contre, effectivement, si ça avait été un peu équivalent, il y aurait pu avoir un de chaque côté, quoi. Mais bon, a priori, c'est mort, quoi. J'ai beaucoup l'esprit derrière ces boss qui se battent. Bah non, mais c'est horrible, quoi. C'est le boss qui fait bon, allez, salut, hein. J'ai pas là que ça à faire, moi. On m'attend pour dîner. Eh, des bisous. Mais bon, voilà, c'est assez vexant, quand même. Enfin, c'est même très vexant, en fait, c'est pas... ouais, pas ouf. Ouais, c'est rare ça d'avoir plusieurs choix entre des casques. On avait prévu une phase Le boss qui bouge plus, il s'en fout, il fait le truc. Donc là, dans l'absolu, ce serait cool que j'arrive à passer avant la fin du stream une 40 quoi. Ou une 41, on va dire. Ah, bah là maintenant ça passe ni en haut ni en bas. Avant on pouvait passer en haut et pas en... Enfin, en bas et pas en haut. Ah, si, la phase là on peut. Mais que en bas. Oh, c'est le bordel, c'est toujours pas recentré vos phases là. Vos vagues d'ennemis là. Qu'est-ce que c'est de ce bullet là, tout salopé là? Alain, si t'es encore dans le coin, ça va se passer quand pour escroquer une clé d'accès à la bêta ce week-end en fait fest? Le droit de passer un côté et de l'autre. C'est quoi son nouvel acquis social? Bah c'est surtout que ça paraît symétrique et que c'est un problème de perspective quand même. Enfin, ça collait pas trop avec le jeu, mais bon, je me demande s'il n'y a pas moyen d'accentuer ça avec un effet qui apparaît qu'une fois sur un... Non, mais tu peux mettre un journal holographique. Waouh, classe. Merde, si je... Ah, mais s'il te plaît, ne te prends pas toutes les boulettes, merci.
suis un peu léger en dégâts. Hein. Oula, oh, parez-vous. Oui, bah oui, mais tous les ennemis en même temps. Haha, il s'est tellement fait nerfer la mouille. Bien fait pour toi. Trouver Charlie qui a un t-shirt of Tingland. On aura un gars sur place qui s'appelle Charlie. Ouais, mais normalement c'est prévu. C'est prévu, ça sera un CDD de quelques jours. Ah ou carrément c'est toi qui fais ça, alors ok. Trente-quatre en power, et ben on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, mais elle mettait autant que celle-là! Pouah, elle faisait plus 9 power, merde! C'est pas grave, on passe à 34. Ouais, qu'est-ce que j'ai foutu là? Ah, ok, bah, bon, ok, très bien. Bravo. Ta-ta-ta, auto-canon, gna-gna-gna-gna-gna. Tant qu'à faire un stage non rémunéré, on charge pas une équipe qui bat exactement. Oui, c'est vrai que plutôt pourquoi faire un CDD quand tu peux faire un quand tu peux faire un stage. Une opportunité de travailler dans le jeu vidéo. l'opportunité de participer à un salon prestigieux de jeu vidéo. En même temps, il y en a tellement qui font les trucs là, quoi. Oulala, oulala. Oh, ça commence à être la merde, on est d'accord. Oh, il est même pas mort. Tant qu'à faire, un stade là, vous n'en voyez même pas bestiaux, c'est propre. Il peut pas y aller pisciner avec ses pans, exactement. Ok, oui, mais. Ne pas bouger de chez lui, hein. Je bouge dans pas longtemps, je bouge début août. Et voilà, j'ai une engine. Mais là, j'avoue que. Quelque part, je suis presque content d'avoir dit non, finalement, j'ai pas au stand fast. Enfin, même si là, honnêtement, ça va beaucoup mieux déjà. Pas encore top top, mais bon, ça va. Quoi.
Aïe, pleine tête la boulette. Wouah! Ah, mais elles font mal les grosses boulettes vertes là. Ah non! Merde. Zut. Zut, zut, zut. C'est triste, j'étais à la fin. C'était nous combien que j'avais tenté là? Ouais, comme prévu, là, les nouvelles boulettes, quand on commence à mixer plusieurs ennemis qui en balancent, c'est tout de suite moins rigolo. Enfin, elles paraissent vachement moins inoffensives d'un coup. Quoi. Elles font mal, mais l'effet d'impact c'est pas assez gros, je me rends compte. Oui, c'est vrai que je l'ai pris pleine tête. Ouais. Alors, c'est pas là. Paf, c'est pchit. Mais c'est vrai qu'effectivement, si j'avais pas su que l'ennemi pouvait me balancer une boulette verte à travers la tête, je pense que j'aurais même pas vu comment j'avais perdu autant de points de vie d'un coup. J'étais quasiment à bout portant. Oh, Taron, tiens. Non, mais c'est important d'avoir des consignes claires et précises aux gens qui battent. Et je pense qu'effectivement, un truc un peu technique du genre, moi j'aurais bien vu un truc qui fait plus pchit et moins mon pchat. Et bah ben au moins voilà, il sait directement comment baisser, et ça c'est important. Aïe, aïe. Oh, ça va là? Et ça vous emmerde si je reste en ville ou comment ça se passe là? J'aurais bien aimé le kitcher quand même, mais je crois que je vais pas avoir le temps. Ah, oh, c'est triste. Ah, mais c'était pas la fin! Oh, comme j'ai été feinté, je crois que c'était le boss de fin, j'ai pas fait gaffe en fait d'un avancement de niveau. Hein. Je me suis fait eu. Le boss arrive que maintenant en fait. Ouah! D'accord, ouais. Bah, je sais pas trop. Je sais pas comment elles vont faire à la fin, mais en tout cas, quand on les prend pleine mouille, elles font mal. Hein. Ouais, mais là je les aurais jamais, ils se barrent trop. Et je pense qu'ils se barrent beaucoup trop vite, hein. Oh putain, je fais rien. Je pense qu'ils se barrent vraiment trop vite, mais celui-là, objectivement, pour les tuer, t'as intérêt à être largement au-dessus niveau dégâts, quoi. Tu sais, ils ont fait ça et. Salut. Chat, ouais. Non, mais quand je l'ai dit, je me suis dit non, c'est nul. Des fixes particuliers pour les motards quand ils sont émis et quand ils explosent. Ah, les mortards, c'est plus. Les motards, je me dis quoi? Genre le mec qui est en train de jouer sur sa moto pour qu'il entende mieux ou qu'il voit mieux. Ouais. Mais en tout cas, ouais, les bas, je pense qu'ils se barrent vraiment trop vite. Hein. Parce que moi, je voulais les tuer, hein, mais eux, ils ont pas voulu.
Ouais, après une Wave Gatling, elle fait plus 1200, je pense ça va valoir le coup quand même. C'était quoi? Ouais, j'avais un trident level 13 en même temps, ouais, donc. C'est que je me plains un peu, mais bon, j'avais une arme level 13, donc. Ouais, les motards. Zut, il me manque des points de structure maintenant. Ouais, 10% skill power, ça peut être pas mal quand même. Après, je sais pas quelle cible vous voulez toucher, vous voulez peut-être toucher les motards, hein, on sait rien. Hein, c'est... C'est passé des trucs moches là, je crois. Il s'est passé des trucs moches. Je pense que ce serait cool si un bouton rejouait à la fin du niveau, plutôt que de devoir repasser par le hangar et. Enfin, surtout quand on est mort comme ça. Quand on est mort de façon un peu vexante, ce serait pas mal de pouvoir retenter directement le même niveau sans. Sans devoir repasser par la carte du monde pour choisir. Oh là, et on se calme alors. C'est quoi la weapon que j'ai looté là? C'est peut-être un laser, ok. C'est comme dans tous les jeux, on n'aime pas mourir, mais on aime encore moins mourir quand il faut faire des manips pour rejouer en fait. Mais... Wouah! Je l'ai pris plein de tête. D'accord, c'est donc ça les vrais trucs bleus dont tu me parlais tout à l'heure. Et ben ils sont super les vrais trucs bleus, dis donc. D'accord, bah ils sont jolis le pattern. Je m'y attendais absolument pas, mais il était classe. Bon, il m'a un petit peu trop défoncé les dents à mon goût, mais. Mais je dois reconnaître qu'il était vraiment classe. Boss, ok. Oh, j'ai fait n'importe quoi, on est d'accord. Hein.
Pourquoi le bouclier s'est pas déclenché? Buster les gens hors jeu sans vider leur cargo, mais il faut aussi le faire comprendre, ça ne sera pas exactement au même niveau. Après peut-être que tout le monde s'en fout, ouais je sais pas. Je ne sais pas en effet. Ah je suis dégoûté, j'ai pas compris pourquoi mon bouclier s'est pas lancé là. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi mon bouclier s'est pas déclenché? Putain, fait chier, j'ai tout fini là. Bon, en vrai, j'ai pas tout à fait le vaisseau pour jouer en 31, mais. Ah, mais je suis blasé là, j'avais fini le niveau, j'ai fait n'importe quoi. Enfin, c'est pas que j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas compris pourquoi le. Je pense que j'ai dû essayer de lancer le bouclier quand il était pas rechargé. Ou quand il manquait un tout petit peu d'énergie, je sais pas. Là, pas compris. Je ne sais pas. J'ai pris une boulette qui m'a one shot, non? En tout cas, si je joue comme ça va être compliqué pour débloquer le vaisseau élite des maraudeurs. D'accord, en fait c'est ça qui s'est passé tout à l'heure, c'est que je me suis pris Bon, on va faire comme s'il n'y a pas d'ennemis, on va y aller cool, on va les laisser passer, voilà, barrez-vous. Donc je confirme, hein, après ce pattern-là est vraiment joli, mais par contre là je sais qu'il fait mal aux miches. Oh là là là. Meurs. Ah, vous allez faire moins les malins avec vos potes les kamikazes, hein, je vous le dis direct. Direct, ça a pleuré sa mère là. Enfin, moi aussi, mais. Putain, mais. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on a looté? De la plaque pas terrible. Enfin, pas terrible en même temps, si, c'est quand même mieux que ce que j'avais avant en fait. De la Wave Gatling à. Oh, pas mal ça. Puis, non, il me faut quoi? 49 en power? Bah écoute. Ah là, oula, oh, top, hop, 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 on va. Flûte.
Flûte, flûte, flûte. Quoi, non? Ah merde. Pas de panique, c'est bon. Non, c'est pas ça que je vais faire. Le marché, qu'est-ce qu'il me propose? Non. Plus 18, ta ta ta. Moi, on va mettre ça. Gatling à 921. C'est du plasma, c'est pas mal ça. Mais le truc, si je le mets à tout que. Ah non, c'est bon. Le 77 en peur, je pense que je suis super loin. C'est con, parce qu'il est quand même bien celui-là. Mais 77 power, je crois que je suis super loin. Ouais, quand même. C'est leur assez haut les prérequis là, quand même. Donc si, je pense qu'on va pouvoir commencer à chouiner sur les prérequis. Allez, on continue. Parararam. Putain, mais je souhaite mon shield qui va être trop bas ou mon armure qui est. Oh la vache, putain, je prends tellement cher là à chaque collision. Pourtant, on devrait être un petit peu tanky, c'est vu que c'est un maraudeur, j'ai quand même 3 plaques d'armure, mais. Pas le temps de le tuer. En tout cas, ça fait bien plaisir les nouveaux types de boulettes là. Ça complique le jeu, mais c'est bien cool. Ouah, ça l'a même pas one shot. Aïe, aïe. Oh non! Wow. Ah, j'ai pris vraiment cher là. Oh, je suis tellement pas bien là. Non mais le jeu il se moque de moi là. T'as qu'à enchaîner des vagues encore plus putes si tu veux. C'est pas possible quoi, sérieusement quoi, mais le jeu tu m'aimes pas du tout en fait.
Bon, je vais Doom les enfants. Ok, ça marche. Bah, bon Doom du coup. Au fait, t'as craqué ou pas, Alain, t'as pour Doom alors finalement? Bah, je pense qu'on n'arrivera pas à faire du. Bah, je vais continuer encore un petit peu à farmer, après je tenterai une 41 pour voir, mais ça me paraît très compliqué quand même. Quand je vois comme je ramasse déjà en 30 et quelques. Hein. Ah, celle-là, la moindre boulette, elle me fait tellement mal quand. Après, je pourrais changer mon setup pour un. Pour faire de la 41 en mettant l'absorption de boulettes et mettre le fait que quand on prend un dégât bon, on prend pas le dégât mais on a le focus divisé par deux. Après, comme j'ai dit, maintenant c'est moins facile de gratter le matos hein, vu qu'il n'y a plus de stage facile entre guillemets. Il n'y a plus la technique de. Je fais les stages qui se terminent par un 1 pour être peinard. Du coup, ça complique le délire pour toi, ce fait. Pas encore craqué. 4,5 Go à télécharger, je fais. Ouais, c'est clair que je fais pas en 5 minutes. Ouais. Le scarabée qui cherche la lueur de l'or dans le barbecue finit en brochette. Mon Dieu. En tout cas, tout le monde a l'air d'être à peu près d'accord pour dire que, bah, que c'est un bon Doom qu'ils ont fait là. Qu'ils ont livré une chouette copie de Doom. Ça me semble pas avoir vu quelqu'un en dire du mal en fait. Passer. Ah, 45 Go! Ouais, ça, 4,5 Go ça aurait été après, mais 45 Go, ouais, c'est. Ok. Ok, 45 Go, très bien. Bah déjà j'ai envie de dire prends-toi sans tamouille le disque dur, c'est bon 45 ça fait 6 tours dans l'émission de GK. Ouais mais il est mis quand même à 7 sur 10 pourtant quoi. Quand même de fait et pas comme tant d'envie. Après, c'est vrai que les exécutions, pour ce que j'ai vu en stream, ça avait l'air un peu chiant quand même. Ça, je trouvais que ça pétait un peu le rythme. Après, bon, faut voir ce que ça donne quand c'est toi qui joues. Mais c'est vrai qu'à regarder, je trouvais que ça pétait vraiment le rythme quand même, à chaque fois d'aller achever les ennemis, etc. Mais bon, encore une fois, hein, j'ai pas joué, donc. Je respectais les règles fixées par les concepteurs.
De la vie, par contre, je gagnerai plein en armure, donc on va le prendre. Ah, j'avais un thruster 15. Mais en fait, j'ai quoi comme truc pourri? Ah, j'ai Engine, elle est pourrie en fait, celle que j'ai, quoi. Ouais, mais est-ce qu'il fait de chance si c'est chiant ça? J'ai quoi encore en vieux là? Donc j'ai Engine en vieux, mon shield il est un peu vieux. Le reste ça commence à monter petit à petit. Rebredaf! Thruster, je viens de le changer. Voilà, j'ai pas vraiment d'armes mieux. Qu'est-ce que j'ai déjà? En shield, j'ai quoi? C'est vrai que le shield que j'ai, il est vraiment merdique quand même. 67 power, je suis loin ou pas? Putain, je suis loin. J'ai juste testé une 41 pour voir ce que ça donne. Sinon, tu peux juste le faire à chaque fois, tout dans la fréquence à laquelle tu le fais pour obtenir seulement une heure sans passer ton temps à le faire. D'accord. Utiliser différentes armes pour le faire pas trop souvent, genre ce que Quake 2 faisait très bien à l'époque, en limitant une munition, en forçant à jouer avec toutes les armes. Ouais, ça c'était cool, ouais. Ça j'aimais bien. Ouais. Aucun des fichiers présents sur mon SSD, sachant qu'il y a mon antivirus et Windows dessus. Comment ça, il les reconnaît pas? Bon, là, je fais la 41, mais c'est vraiment uniquement pour essayer de débloquer le maraudeur. Le maraudeur des vrais, on va dire. J'aimerais bien terminer la session en débloquant le palmeroder avec lequel je vais jouer en fait, tout simplement. Comme ça, on sera bien pour lundi prochain pour continuer à farm avec avec le navion. Ouais, sinon, tiens, pendant que j'y pense, Brozaf, toi, tu serais intéressé pour faire du. Il me semble que tu m'as dit pour faire du. Ah non, merde, du Don't Starve Together. Mais barrez-vous! Oh non! Ah, j'ai merdé là. Bon, là, honnêtement, c'est ma faute là. J'aurais jamais dû mourir là-dessus. J'aurais jamais dû mourir là-dessus. Flûte, je relance. Quand je sélectionnais mes fichiers introuvables, et mon antivirus ne veut plus faire le scan, mes programmes sont pour beaucoup en anglais. Ouais, mais c'est bizarre comme ton truc. Je sais pas du tout quand. C'est toi en semaine. Mais non, mais putain, j'en ai oublié. Toi en semaine, tu peux jouer ou pas, les soirs? Attendu de passer à 41 quand même. Faut que je tombe sur que je tombe sur une 41 qui soit pas trop méchante.
voir que je patiente encore un petit peu et que je continue à stuff mon vaisseau. Ça peut-être pas plus con. Bah d'ailleurs je pourrais peut-être mettre des points de stats en fait. C'est vrai qu'en stats je suis bien léger donc. Chargé trop chaud. Depuis que je viens de déplacer OBS ce soir sur mon disque dur, ce serait mieux le week-end. Il coûte combien together? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste qu'il était offert à ceux qui avaient Don't Starve, ce qui est mon cas. Mais sinon, acheter que together, j'en ai aucune idée. Au pire, je dirais 10€, mais j'en sais rien. Mais t'es OBS, pourquoi tu streams toi, Brosef? Bah, de toute façon, moi, ce week-end, je peux absolument pas. Peut-être le week-end prochain, mais je sais plus si j'ai pas un truc de prévu le week-end prochain. Non, peut-être pas. Ouais, va voir, mais normalement, tu dois l'avoir hein, si. Si tu possédais Don't Starve, c'est une update gratos. Enfin, il me semble hein, que c'était comme ça qu'il l'avait fait, quoi. Mais putain, mais... Ah, ça, c'est n'importe quoi. Ah, ça, c'est n'importe quoi. La boulette qui me one-shot et qui arrive beaucoup trop vite pour que je puisse l'esquiver, quoi. Ah, je suis dégoûté. On va tenter avec ça, mais le problème c'est que je suis pas sûr que ça va beaucoup m'aider parce que c'est là. Ah, je suis tellement dégoûté là de la façon dont je suis mort. Bah, après, objectivement, oui, j'ai vraiment pas le staff pour faire de la 41, mais je veux la passer pour débloquer mon vaisseau. Et je la passerai, monsieur. Parce qu'ils sont emmerdés, non? Ouais, mais voilà, le problème c'est que le single impact, ouais, ça... Il est cool sur deux boulettes, quoi, mais sur une seule boulette qui one shot, ça change rien. Et là, je suis sûr qu'Alain il est tout content de sa décision d'avoir mis des mid-boss de partout. Salaud! Taram, le jeu. 14€ il coûte et j'ai installé OBS pour enregistrer mes runs de Gungeon, d'accord. Ouais, il coûte 14€, mais tu veux l'avoir, non? Enfin, je l'ai vérifié, mais normalement, il est dommage de l'avoir aussi. Ah, Don't Starve Together, ouais. Et voilà, moi ça me marque que je l'ai acheté le 21 juin 2013, donc c'est bien ça, ça a été offert pour tous ceux qui ont Don't Starve de base. Mais il est gratuit encore pour ceux qui ont Don't Starve. Oh ouais, il est gratuit. Alors je t'ai dit, toi, moi ça me marque que je l'ai acheté le 21 janvier 2013, donc c'est bien ça, c'est si t'as acheté le jeu de base, en fait, t'as accès au Together. J'aimerais bien terminer quand même sur une victoire quoi. Du coup, quand tu dis week-end, toi Brosef, c'est quoi? C'est à partir du vendredi soir ou vraiment samedi et dimanche?
Oh là là, oh là là. De vendredi à samedi. Et t'essaies de le relancer ton PC? Ah, ils ont changé, ils sont décalés là. Avant ils étaient centrés sur l'écran. D'accord, maintenant il y en a un en haut, un en bas. Ah, sympa. Enfin, il me semble qu'avant ils étaient centrés tous les deux, les trucs là. Mais ça paraît quand même bizarre que le fait d'avoir déplacé OBS, ça ait fait ça quoi. Merde. Mais non mais putain mais quel moncon, mais quel moncon, mais c'est pas possible, mais quel débile, mais quel débile. J'avais fini et je me prends une boulette à la fin, mais c'est pas vrai. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis trop con, j'avais juste à rester en haut à droite et à attendre tranquillement le boss train de se barrer là. Mais c'est pas vrai quoi. Juste réinstaller VLC. Alors, par contre, VLC c'est le genre de programme où tu peux vite avoir des vérolles filées avec quoi. Enfin, je sais pas où tu l'as pris ton VLC, mais. Retweet, retweet, too much retweet. Putain, je suis dégoûté. En plus, je peux même pas insulter le jeu sans tirer ma faute, quoi. Oula, wow, on se calme là. Enfin, c'est une douleur en ma faute, c'est que je suis en train de faire une difficulté que je suis pas censé faire avec mon vaisseau. Et en plus, j'ai fait de la merde. Toi, du coup, Arès a tiré, toi, de jouer à Don't Starve Together vendredi et samedi soir? Et pareil pour toi, Crime, ça a tiré aussi ou pas? En partant du. En partant avec l'idée que je suis là le week-end prochain. Ce qui est pas sûr, mais il me semble que si. Ah, t'arrives au boss de fin, Brosef, hein, non? Bonjour, je suis la face que t'aimes pas du tout, mais on va te la mettre. Putain. Ah, c'est la misère. Je crois que le jeu il est en train de me dire non, non, tu passeras pas ta quarantaine. Mais vraiment, parce que là. Là pour l'instant, le niveau là est dégueulasse. Ça a commencé par les petits là qui nous tirent dessus dès qu'on leur tire dessus. Là. En plus, c'était la version qui a. Et là, c'était croisé avec des ronds. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ouais, mais je préviens, j'y ai peu joué donc ce sera YOLO. Ouais, non, bah oui, mais t'inquiète pas. Hein. De toute façon, c'est pour rigoler, hein. C'est pas pour faire une performance. Hein. Ah merde, j'ai perdu un objet. Ce week-end, non pas ce week-end, je suis pas là ce week-end moi. T'es dispo à partir de dimanche quoi? À partir de dimanche si là? Ouais non mais ce serait pour le week-end prochain, vendredi samedi. Mais on en reparlera parce que.
putain, du coup j'ai plus de shield. Ça c'était arrivé évidemment. Bah, je sais pas, hein, j'en ai juste parlé tout à l'heure. Du coup, il y a Rest qui était motivé, le crime aussi. Donc là, on serait déjà 4. Je sais pas comment on peut jouer en fait déjà. Quelqu'un pourrait se renseigner pour savoir jusqu'à combien on peut jouer en multi à Don't Starve Together? Je sais même pas si on peut jouer à plus de 4 en fait, par exemple. Mais ça, quand j'ai bien le motif pour y jouer. T'inquiète, ça revient vite. Non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup joué tout court, reste. Il a joué, disait tout à l'heure, il a joué 1 h 30. Bah, du coup, faut que je vois si je suis là. Je mettrai sur Twitter ou on en reparlera de toute façon. Mais ouais, bah du coup, vendredi et samedi, et bah la semaine prochaine, ça pourrait être sympa. Ouais. En plus, je pense qu'en 2 soirs, il y aura moins d'avancées. Mais putain, ouais. Mais. Oh là 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 là, je joue mal, je joue mal! Ouais, bon bah je crois que ça passera pas la 41 ce soir. Putain, j'aurais bien aimé, ça m'aurait bien avancé, mais. Allez, dernier essai. 6 joueurs max, hein. Bon bah ça, on est large alors. Bah c'est cool, comme ça, s'il y a d'autres personnes à motiver. Ouais, mais je pense qu'on va déjà, se mettre avec les trucs de base et puis. Avant de taper dans les modes. De toute façon, déjà 6, honnêtement, c'est cool déjà, quoi. Déjà 6 en vocal, ça peut être bien, bien logique, quoi. Ouais, ça va être voir dans les jours qui arrivent, là. Enfin, les jours qui arrivent. En même temps, je stream que demain, donc. Donc ça va être vite réglé les jours qui arrivent, mais. On verra si demain il y a d'autres personnes pour demander s'ils veulent jouer. Par exemple, Pyong, je crois que Pyong il était bien motivé aussi. Non, mais c'est pour ça déjà, voilà. Déjà, même si on est que 4 entre guillemets, je pense que ce sera déjà pas mal quoi. Je pense qu'à réussir à trouver de quoi survivre avec 4. Oui, on sera en vocal, hein, sinon c'est même pas la peine de. Oh la vache! Mais! Dernier essai. Ça, j'ai fait. Oh la vache! Il y a eu des trucs horribles qui arrivaient là. On sera en audio. Bah, sûrement sur Mumble, vu que j'en ai un, c'est le plus simple, mais. Ouais, le véritable dernier essai. Ouais. Yo, LECR, comment ça? Bah, tiens, LECR, ça tente toi de jouer à Don't Starve Together? Enfin, c'est pas tout de suite, hein, ça serait a priori le week-end prochain. Enfin, pas celui qui arrive, mais celui encore après, quoi. Fin de semaine prochaine, si tu veux. Le vendredi et le samedi soir. Hein. C'est le retard. Bon, merde! Ben en fait, j'ai beaucoup trop parlé ce soir. J'ai quasiment plus mal à la gorge et là, je sens que. J'avais dit que je parlerais pas beaucoup et finalement. Ben non seulement j'ai parlé, mais en plus j'ai cuiné, donc fatalement.
C'est pas bon pour la gorge. Ouais, bah moi c'est un peu mieux. Hein. Ah putain, ça va être dur en plus. Ouais, j'ai fait n'importe. Oh la vache! Je vais essayer d'attendre qu'il se barre gentiment mais sûrement. On va essayer de se la jouer un peu lame comme ça. Don't Starve Together, j'ai Don't Starve de base, moi c'est un DLC ou un autre jeu à la Isaac. Non, 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 alors si tu as le jeu de base, tu l'as gratuitement. Dans ta liste Steam, t'as Don't Starve Together, en fait c'est le. Donc c'est Don't Starve mais pour jouer en multi. Si j'ai un PC que j'envoie pas chez informaticien, et les week-ends je peux toujours normalement, d'accord. Ouais. Et en redémarrant dans PC, ouais, du coup, c'était le même problème en fait. Donc là, normalement, vu que j'ai validé la 41, je dois pouvoir l'acheter. Bah, il coûte super cher, mais. Il coûte super cher. Non, on va aller le faire quand même. Non, moi je l'ai pas gratuit. Ah ouais? Après, tu l'as peut-être pas gratuit si tu l'as eu quoi. Tu l'as peut-être pris dans un bundle, bref. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste une mission avec mon. Avec mon gros vaisseau. Pour récupérer de la thune en fait. Mais ça marche pas, j'ai peur d'avoir fait une bêtise. Ouais, mais je vois pas trop ce que t'aurais fait. D'après ce que t'as dit, t'as juste. D'après ce que t'as dit, t'as juste. Non, tu l'as acheté. Bah, c'est bizarre parce que normalement, Don't Starve Together, il était vraiment offert à tous les possesseurs de Don't Starve quoi. Ou alors c'était peut-être avant une certaine date, j'en sais rien. Et toi, le tir, tu l'as ou pas alors du coup, Together? Ah merde, c'est... putain, je suis con. J'ai fait n'importe quoi. Donc ça c'est ce qu'on avait vu juste avant là, les ennemis anneaux là, ils ont maintenant, ils balancent maintenant des nouvelles boulettes en fait quand ils explosent. Hein. Oui, tu l'as, ok, d'accord. Ouais, mais y a pas de soucis, allez-y, en soi, moi ce que je dis, hein, c'est.
Moi, le jeu, ça va bien faire 1 an et demi que j'ai pas joué. Il y aura Arrest, pareil, il a joué 1 heure et demie en tout et pour tout. Il n'y a pas de soucis. Puis bon, objectivement, Adam Star, c'est aussi rigolo quand tu meurs que quand tu joues. C'est pas. Merde. Tu veux pas mourir, toi? Ouais, merde. Alors par contre ça me fait vraiment halluciner, hein, parce que je vous assure, moi ça faisait une éternité que j'avais pas vu les ennemis laser là. Et ce soir on a eu que les ennemis laser, on n'a pas eu une seule fois les ennemis boulettes quoi. C'est juste l'inverse de d'habitude en fait. Ou alors c'est les ennemis boulettes qui vous ont enlevé? Non même pas. Hein. C'est un peu moyen qu'ils fassent dans mode multi en jeu. Bah, s'ils en font pas en jeu, je te dis, il est offert à tous les gens qui ont le jeu, donc je vois pas en quoi c'est un problème. Au moins, t'as un jeu à part qui est stable pour le multijoueur, quoi, c'est très bien comme ça. Ce qui fait que du coup, après, t'as ta version solo, parce qu'en plus, la version solo et la version multi sont pas mis à jour en même temps. Donc, comme ça, t'as ta version solo qui est stable, ta version multi qui est stable, et c'est génial. C'est bien mieux de faire ça plutôt que de faire un mode multijoueur qui est buggé, qui fait planter l'autre version, et ainsi de suite, quoi. À partir du moment où il l'offre, je ne vois pas ce que tu peux leur reprocher, quoi. Non mais honnêtement, je vois pas ce qu'on peut leur reprocher, quoi. Surtout qu'ils l'ont filé en plus. À la limite, s'ils avaient fait une version multi et qu'ils avaient vendu 5 €, bon, j'aurais pu comprendre que les gens queen, quoi. Mais là, ils le filent, quoi. Ouais, les AAA, maintenant, de plus en plus, il y a, bah, comme H1Z1, par exemple, ils segmentent en plusieurs parties leur jeu. J'ai tellement fait de la merde. Et non, Drift Segment, c'est pas rigolo de mourir parce que bah, tu récupères pas de thunes en fait. Et là, je jouais juste pour faire de la thune. Donc là, ce que je viens de faire, c'est vraiment contre-productif en fait. Oh, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est moins rigolo avec les patterns de tir supplémentaires, quoi. Hop 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 hop. Putain, mais pourquoi il y a autant de tirs à l'écran là? C'est quoi ce délire? Bon, j'aurais jamais le temps de les tuer, hein, on va pas se mentir. Donc,
va juste mettre là. Et puis c'est tout. C'est pas l'hôtel, j'ai noté quelques trucs améliorés. Si on est en retard, c'est cool. Ok, pas de soucis Alain. De toute façon, je vais arrêter, hein. Je vais passer sur Marvel Heroes vite fait là pour tester, pour terminer l'event là. Il y a toujours la possibilité de l'acheter même quand on l'a. Ouais, mais ça va être pour l'offrir à quelqu'un. Non, c'est t'as la possibilité de l'acheter pour l'offrir à quelqu'un, je pense. Il me fait 50 000 en indice. Bah merde alors, j'ai looté une meilleure arme, qu'est-ce que j'ai quoi? Ah non, qui est en chance de péter un autoretreat normal en fait. J'ai regardé tout à l'heure, le jeu ça te les met dans la bibliothèque, oui. Voilà, donc là on peut aller sur changer de vaisseau. Et du coup c'est bon, on peut acheter. Bim! Attendez, celui-là on va juste l'éditer, on va juste marquer second. Et lui on va l'appeler second cycle. Ah, par contre, là il faut là que j'aille farmer. Donc je vais pas le faire maintenant, hein, parce qu'il faut là que j'aille farmer les crédits, parce qu'évidemment, j'aurai pas les prérequis pour installer le matos que j'ai actuellement sur celui-là. Mais voilà, en tout cas, c'est cool, on a débloqué le maraudeur élite. Et ça fait plaisir. Hein. Gélo, c'est mignon comme son. Pas moi, mais je regarderai demain, ouais. Tous les jeux peuvent juste s'installer, tu tapes non-star, fais hop, tu dois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, c'est juste par plaisir, hein, pour le voir en jeu. Pour le voir en jeu, je vais juste lancer un niveau. Juste pour voir à quoi il ressemble, le maraudeur est. Ah, il est classe comme ça, en bleu. En bleu, un peu noir. Ok, d'accord, bon, nickel. Bon, bah, du coup, hop, sur ce. Appelle le rejet, j'aurais pu, c'est vrai. Bon allez hop. Du coup bon, on va s'arrêter là pour ce nouvel épisode de Récupéré par l'Arc. Mais voilà, du coup on a vu pas mal de trucs, hein. On a vu bah, les nouvelles poulets de suicide hein, qui sont bien relous pour certaines. On a vu des nouveaux types d'ennemis, on a vu bah, y a pas mal de trucs avec les 0-2, hein. C'est bien sympa. Donc bah voilà, bah écoutez, je vais passer sur Marvel Heroes. Juste pour terminer, donc comme je disais, l'event qui est actuellement, je me demande si Marvel Heroes, je l'ai loin. Ah si, j'ai un truc Marvel Heroes, c'est cool. J'étais plus sûr du tout en fait. Du coup, hop, je coupe Drifting Land.